Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur le mode test diagnostique si vous préférez de la Ford Fiesta MK6 hein, donc de 2002 à 2008. N'importe quelle version, motorisation, je pense que c'est la même chose. Donc c'est un petit mode test qui va vous servir à quoi? Bah, ça sert à checker tous les modules simples de la voiture. Hein, donc ça va partir de l'image des feux, je vais vous montrer, feux de détresse. Des givrages arrière du pare-brise, les essuie-glaces, je viens de vous le dire, les clignotants, l'ouverture du coffre et les feux, et aussi à l'ouverture des portes, hein, d'accord, mais pas sur le reste des autres modules, hein, d'accord. Donc par exemple les régulateurs de vitesse normalement qui sont situés là, je ne l'ai pas sur ma voiture, mais ça sera ici, c'est pas pris en compte. Oubliez aussi tout ce qui est clim ou allume-cigare ou prise de jack, c'est pas pris en compte sur le mode test qui est fourni avec la voiture, d'accord. Donc ça va se passer, je vous montre juste avant de commencer la manipulation. Au niveau de la serrure, donc je vais vous zoomer rapidement ici, vous voyez un marquage, je sais pas si vous voyez bien, 0, 1, 2 et 3. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le 2, d'accord. Faites pas les autres, ça sert à rien, ça marchera pas. Et le deuxième petit bouton qui va nous servir, c'est le bouton de dégivrage arrière du pare-brise, d'accord. C'est deux choses à faire en même temps. Donc je vais poser l'appareil à côté, je vais vous montrer rapidement comment ça se passe. Hop là, je ferme la porte parce qu'on va en avoir besoin. Donc dans un premier temps, avant de mettre la clé, vous appuyez, vous restez appuyé sur ce bouton là, d'accord. Ensuite on mettra la clé tout de suite, on la mettra sur la position numéro 2 comme je vous ai dit juste avant, et une fois que ça sera fait, on relâchera ce bouton là et on va appuyer 7, 8 ou 9 fois. Dès que vous allez entendre un bip, vous arrêtez, et ça voudra dire que vous êtes rentré dans le mode test. Il faut appuyer assez rapidement, d'accord, en moins de 5 ou 6 secondes, et puis ça sera bon, ok. Je vais vous montrer, on appuie la clé en position 2, hop, et le bip est arrivé, d'accord. Donc je vais reprendre l'appareil, je vais vous montrer, parce que faites attention, c'est un mode test qui part très vite automatiquement, hein, il s'éteint tout seul. Donc là on va ouvrir la porte déjà, hop là, un petit bip, c'est que tout marche au niveau de l'ouverture des portes. Alors vous pouvez faire ça pour toutes les portes, je pense que ça marche. Là vous allez avoir les feux, ok. Les différents, bon, je ne vais pas tous les faire, mais ça marche. Vous avez un petit bip, l'ouverture du coffre. Voilà, tout est marche. Le module électrique fonctionne. Quand vous fermez la porte aussi, clignotant droit, clignotant gauche, les essuie-glaces par exemple. Voilà. Le bouton de dégivrage arrière du pare-brise. Les feux de détresse. Et ça va être tout. Je vais quand même tester devant vous, mais je crois que ça ne marche pas, la ventilation. Voilà, ça ne marche pas. Oubliez aussi la prise de jack, hein, et l'allume-cigare, ça ne marchera pas non plus. C'est des trop gros modules pour ce mode test. Voilà. Vous allez me dire à quoi ça sert. Bah, ça sert à rapidement vérifier si tout marche correctement, s'il n'y a pas de problème. Après, c'est pas non plus essentiel à la vie de tous les jours, mais ça a le mérite d'être là quand même. C'est pas forcément sur toutes les voitures et ça reste quand même assez pratique. Voilà. Après, pour l'éteindre, bah, tout simplement, bah, soit vous attendez un bip qui est authentique, qui dirait que le mode test vient de s'interrompre tout seul automatiquement, ou alors bah, vous enlevez simplement la clé de contact du véhicule et puis vous rallumez tout de suite et ça partira automatiquement. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Voilà, ciao.